Okidoki, eh bien salut les amis, c'est Kamado, j'espère que vous allez tous très bien. Et on se retrouve aujourd'hui pour la suite de Mario Tennis Aces. N'oubliez pas de bombarder de pouces bleus pour cette série. Et donc avec Mario, on va partir sur le flanc du pic à glace. Qu'est-ce que c'est? Encore un autre terrain qui a l'air cool d'ailleurs. J'adore les terrains de neige, enfin ils sont toujours super jolis. Comme j'ai dit, j'aime pas trop jouer dans les terrains glissants, hein. Dans les jeux de plateforme, dans tous les jeux globalement. J'aime pas trop jouer dans les terrains glissants de neige, mais je les trouve toujours très beaux, hein. Ça fait toujours Noël, c'est génial. Même si Noël c'est dans très longtemps, je crois qu'il y a rarement de moment de l'année qui soit plus éloigné de Noël que ça. Mais bon, ça viendra, hein. Mario, il y a un cours ici aussi, quelle veine! L'exercice qu'il propose est un très bon moyen de s'entraîner à renvoyer la balle où on veut. Tiens, il y a quelque chose d'écrit sur ce panneau. Voyons voir ce qu'il dit. Ces panneaux d'affichage? Faites tomber les panneaux pour marquer assez de points dans le temps imparti. Atteignez le score requis pour remporter une magnifique raquette de glace. Garantie 0% de risque de fonte. Ah, c'est trop bien ça! Eh bah dis donc, voilà l'occasion parfaite de t'entraîner et de gagner une nouvelle raquette. Yeah. Alors, tu tentes le coup? Ben oui, on y va. Alors, par contre, c'est le panneau qui va me donner la raquette. Ça n'a pas beaucoup de sens. Ça n'a pas... Oh! Regardez! Le Toad, il est habillé en Père Noël! Ah, c'est trop stylé! Bon, alors... Ok, non... Allez, vas-y, lob. Non, non, je me trompe, c'est pas ça qu'il faut faire. Faut que j'aille dans les... Ouais, c'est ça qu'il faut faire. Allez, maintenant, ça... Oui, on en a eu plein, ça c'est cool. Par contre, il faut que maintenant que je me recharge. Ouais, recharge-toi plus vite là. Non, c'est pas assez rechargé à mon... Oh! À mon goût, oh! Très bien! Non mais là, j'aimerais bien avoir plus d'étoiles. Oh, oh mince! What? D'accord, c'était un petit peu nul là. Je vous l'avoue, c'était même un peu pourri. C'est même complètement pourri, quoi, pas un peu. Alors, là... Ouh, c'est tout. D'accord, je m'attendais à avoir un petit peu plus de points. Oula, il y a un Bowser, là. Quelque chose me dit que le Bowser vaut mieux pas le toucher. Je sais pas, hein. J'imagine. J'imagine que c'est pas bien. Ok, non, on va pas toucher le Bowser. Oh, non, non, non. Oh, 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 très bien. Mais attendez, mais s'il y a deux Bowser, c'est pas cool, ça. C'est pas cool du tout. Oh là là, j'ai quasiment rien gagné comme point. Oui, mais attendez, mais je vais arriver dans les temps ou pas à gagner les points? C'est pas facile ça, cette épreuve en fait. Et si je fais une super frappe instinct, je gagne plus de points ou pas? Voyons voir. Je sais pas. Bowser, il m'a fait gagner des points ou quoi? J'ai l'impression que oui quand même. J'ai l'impression que Bowser m'a fait gagner des points. Je sais pas si c'est qu'une impression ou quoi, mais... Mince! Parce que j'aurais tendance à dire normalement que les casse Bowser faut pas les toucher, mais là je l'ai touché et enfin... ça m'a rien retiré, si? Je sais pas, j'ai pas fait gaffe. Enfin, j'ai pas assez vu. Oula, ça c'est mauvais. C'est très mauvais même. J'étais bien parti. Là pour le coup, je le sens très mal. Allez. Vas-y Mario. En fait c'est parce que les trucs ils mettent sacrément longtemps à apparaître, ça c'est pas cool. Vas-y. Mais je comprends pas trop les trucs avec une étoile. C'est pour te permettre de faire une frappe étoile, parce que j'ai pas l'impression qu'à chaque fois ça me fasse faire une frappe étoile, hein. J'ai des fois un peu de mal à comprendre, hein. Mais oh, oh. Mince. Plus que 15 secondes. Bon, c'est peut-être pas impossible, mais c'est clairement pas facile. Allez, non non non, j'ai pas assez. Ah, je vais peut-être pas y arriver, non. Attendez. Vas-y, vas-y. Ah, je peux pas, j'ai pas assez. Non, non, non. Oui! Ouf! Mon dieu! Le compteur, il a affiché 0! C'était terminé! Oh, j'ai eu trop peur. D'ailleurs, ça avait pas commencé à faire le jingle de vous avez perdu. Et en fait, ah, vous avez gagné! Le jeu, il a été surpris, là. Mais oui, parce que ça s'est joué à plus que la seconde près, quoi. Ouf! Victoire! Bien joué, Mario! Wow! J'ai failli m'étouffer dans mon hésitation. Je vais aller chercher ta récompense. Comment ça, il allait la chercher? Bah si elle était juste là, il suffisait de la prendre avant. Non mais... Mais il y a un petit tas de Père Noël, c'est trop cool. Bon, allez, on a plein de raquettes. J'imagine que ça va nous aider contre le boss. Parce que là, on arrive au boss, non?
Et oui, tout de suite d'ailleurs, enfin je crois, hein. Sommet du pic à glace. Ah, c'est obligé qu'il y ait un boss ici, enfin on va voir, mais bon. Laissez des pouces bleus pour me souhaiter, bonne chance, hein, j'en ai besoin. Le sommet, enfin! J'espère vraiment que la rumeur d'une gemme de puissance était vraie, et que celle d'un monstre de glace était fausse! Bon, restons sur nos gardes, et fouillons les environs. Et ben moi je crois que malheureusement, elle était vraie, la rumeur du golem de glace. Ça me rappelle Mario et le lapin crétin. Il y avait un golem de glace dans Mario et le lapin crétin. C'était le boss du deuxième monde même. Mais c'est le boss qu'il y avait dans Mario 64. Il était dans Mario 64, ce boss. Comment il s'appelait? Je sais plus. Enfin, il était pas en glace. Au contraire, il était dans la pyramide. Donc il était pas du tout en glace. Mais il y avait un boss à peu près pareil dans Super Mario. Oula, dans Super Mario 64. Oula, ça c'est un peu gênant quand même. D'accord. C'est vraiment pas cool. Là j'ai l'impression qu'il a des doigts plus fins. C'est un détail, hein, ça ne change rien du tout. Mais oui, il a des doigts plus fins, je crois. What? Ah non, non, non. Ouf. J'ai eu du bol d'intercepter. Ah non. Heureusement que quand c'est eux qui loupent la balle, ça me fait pas perdre de temps. Hein. Qu'est-ce que... Non, qu'est-ce que j'ai fait? J'aurais dû... Quoi? Il a regagné ses vies. Bon, jamais j'arriverai à battre un boss du premier coup. Mais on se rapproche un jour peut-être. Alors qu'est-ce que je fais là? Et maintenant... What? Oh, attends, c'est bon et... Voilà! Faut tirer dans l'œil, c'est exactement comme Super Mario 64. Je m'en souviens très bien, mais comment il s'appelait? Je sais vraiment plus. Ok, très bien. Oh, oh, il y en avait d'autres. J'avais pas vu. Merci, ça me donne de la barre. C'est très bien. Ouais, non. Ça me donne de la barre, mais faites attention quand même. Soyez pas trop dur avec moi. Ouf! Et j'ai ma barre qui est chargée au max. Yes! Qu'est-ce que... Ah non. Oh. Si, j'ai intercepté. Pour moi, c'était trop tôt, hein, mais bon. S'il veut, tant mieux. Oh là. Par contre, ça, c'est pas sympa. Voilà. Non! C'est pas sympa d'avoir les deux trucs à la fois, quoi. D'essayer de m'écraser avec sa main. Et en plus de ça, de me faire des balles où j'ai... Enfin, des frappes instincts, là. C'est vraiment pas cool. Ok. Bientôt, il est KO, là, je pense. Plus beaucoup de coups. Oh, mince, loupé! C'est bon, là? Ok, c'est bon. Vas-y. Alors, déjà, celui-ci, et ensuite... Encore? D'accord, fallait avoir plusieurs fois. Et... Salut! Bah, il n'y a toujours pas l'une des mains qui est morte. Parce que normalement, tu tues une main et après l'autre. Mais il était apparu que dans Mario 64 ou pas? Il était peut-être dans d'autres jeux Mario. Non, 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 non. Il y a des boss à peu près pareils dans d'autres Mario. Mais lui, il était que dans Super Mario 64. Attends, j'en suis presque sûr. Alors ça, c'est pas gentil. C'est pas gentil du tout. Et en plus, on perd pas mal de temps. Donc c'est vraiment pas cool. Ok, non, non, non. Ah là 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 là. Bon, c'est pas grave. Enfin, 96 secondes pour la dernière phase, c'est possible. Mais c'est pas facile. Oh non! Oh non! Ok. Intercepté. Ah, trop tôt. Là, c'était clairement trop tôt. Trop tôt encore. J'ai une raquette qui va se casser. Ce qui n'est pas grave. Ce qui n'est pas grave. C'est pas grave, j'en ai plein d'autres. Par contre, ça fait grave perdre du temps, hein, mais... What? Ok, d'accord. Ok. Ouf! Je vois rien avec sa main, là! Il est grave agaçant! Ok. En fait, j'ai plus besoin de faire de ralenti, hein. Maintenant, j'y arrive sans. Hein. Oh non! Oh, mon dieu, 5 secondes pour l'avoir une dernière fois. Enfin, non, j'ai perdu 5 secondes, d'accord. Ok, trop tôt, mais... Ah, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Non, loupé! Mince! Je m'attendais pas à ça! Vu qu'il chargeait une super phrase, je m'attendais pas du tout à ça! Ah, loupé! Mince! Bah, je pense que c'est mort là! Ça m'a l'air un petit peu mort quand même! On sait jamais, mais. Allez, vas-y, vas-y!
C'est mort, c'est mort. Eh ben dommage. Oh, c'était tout juste. C'est reparti pour la dernière phase. Là, je le sens bien. Bon, j'ai quand même perdu un peu de vie avec ma raquette, mais... Non, ça va, ça va. Il y a eu bien pire. Ok. Là, faut juste que... Ouais, je recharge ma barre, ça c'est super important. Et faut que j'évite de perdre des vies maintenant. Ok. Ah non, à chaque fois que je me mets du mauvais... Enfin, au mauvais endroit, en fait. Okay. Non, 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 encore une fois. Ah là là, ça c'est trop bête. Bon, ok, de toute façon, c'est bon, on a tout qui chargé au max. Donc là, maintenant, faut renvoyer les balles. Faut réussir à renvoyer les balles comme il faut. Ouh, je sais pas comment je fais pour intercepter autant que ça, mais je suis content. Bon, par contre, il m'a écrasé, là, ça se fait pas du tout. Ok. Oh là 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 là. Ah, mince. Je me disais que j'avais le timing, mais bon, c'est quand même pas facile de le faire sans utiliser... Non, non, sans utiliser le ralenti. C'est possible, mais c'est pas facile. Ok. Non! Oh non! En plus, il y avait rien pour me gêner, quoi. Ok. Non, trop tôt, mince. Bon, au revoir ma raquette de glace, mais c'est presque fini. Hein. Vas-y. Ok, alors... Attends, ceci, ensuite. Oui, je sais, j'ai plus de temps, je sais. T'en fais pas, t'en fais pas. Et là, toujours pas. C'est bon! Ok, on a eu le golem, entre guillemets, de glace. Parce que c'était pas vraiment un golem, hein. C'était surtout deux grosses mains. Comment il s'appelait dans Super Mario 64? Si vous vous en souvenez, dites-le dans les commentaires. Je me souviens plus du tout, par contre, c'est beau, là, les aurores boréales et tout. Enfin, genre la nuit, par contre, le jour s'est couché d'un coup. Normal. Bon, c'est comme ça dans les jeux vidéo. Par contre, on en parle quand même à quel point elle est jolie, la raquette des glaces. Elle est super belle. Elle est vraiment super belle. Et maintenant, j'en ai combien des raquettes? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. J'ai 10 raquettes. Et j'imagine que c'est pas fini. J'imagine qu'il y en a d'autres encore. C'est ouf! Ah, c'est trop cool. Par contre, maintenant, on va aller où? Tu as réussi, Mario. Les piliers de glace sont en train de fondre. Les mascas ont été libérés. Et on a récupéré le coffre au trésor. Ah, mais s'ils fondent, ils vont ouvrir un nouveau chemin, non? J'espère, quand même. Allez. Oui, 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 très bien. Avec cette troisième gemme, il ne nous en reste plus que deux à trouver. Youhou! Mais on va où? What? Ok, on doit rentrer là-dedans. Ah, c'est un raccourci. Eh, mais attendez, mais il y a un passage là-bas à gauche, non? Ah, oui, il y a un chemin là-bas, d'accord. Donc on va aller derrière la montagne. Il y a une grotte, là. Il va y avoir certainement quelque chose dans la grotte. La mime, je sais pas trop. Oh! Wario et Waluigi! En zeppelin, enfin en dirigeable, qu'est-ce qu'ils font là? What? Je ne peux pas bouger, hein. Je suis obligé d'attendre que ce qui se passe se passe. Ils sont juste venus me faire un petit coucou. On dirait bien. Oh mais attends, regarde là-haut! C'est le vaisseau qu'on a pris pour venir ici! Le vaisseau? Ah oui, pour venir sur l'île, d'accord. Je parie que Luigi et les autres doivent être à son bord. J'en suis même sûr! Ouais, sûrement. On dirait que le vaisseau se dirige vers le large. Ils doivent être à la recherche de la prochaine gemme de puissance. Dépêchons-nous avant qu'ils le mettent la main dessus. Come on. Le cours du pic à glace a été ajouté au mode de jeu libre et dynamique. Très bien. En fait, à la fin... c'est un peu comme un tuyau. À la fin, en fait, on va certainement se combattre contre Luigi, non? Je vois venir ça. Contre Luigi noir, hein, c'est ce que je voulais dire, hein, pas vraiment Luigi, mais bon. Alors, allons voir par là. Il y a encore un Koopa qui va vouloir nous affronter sur son bateau, non? Ah non! Ah, peut-être. Vous n'êtes pas du coin, vous! Qu'est-ce qui vous amène ici? Bonjour, vous ne vous souvenez pas de nous? On s'est déjà rencontrés près du bois? Ah, vous avez dû faire la connaissance de mon frangin. On s'occupe de ce vaisseau tous les deux, mais c'est vrai qu'on nous confond tout le temps. Bah, vous avez la même tête, la même couleur de carapace, comment on peut ne pas vous confondre? Je vois, si ce n'est pas trop demandé, pourriez-vous nous emmener en mer? Vous voyez pas que c'est la tempête, là? Faudrait être zinzin pour vouloir prendre la mer dans ces conditions. S'il vous plaît, nous avons besoin de votre aide pour trouver la prochaine gemme de puissance avant Luigi. Je ne comprends rien à ce que vous racontez, mais il est hors de question que je prenne la mer alors elle grouille de monstres ces derniers temps.
Une légende raconte qu'un trésor antique est englouti dans ses eaux, et les monstres adorent les trésors. Vous voyez où je veux en venir ? C'est ça, un monstre aurait avalé le trésor, et il serait du genre plutôt soupolé. Ça veut dire quoi, soupolé ? C'est pas la première fois que je l'entends, je sais pas ce que ça veut dire cette expression. Le type qui coule les bateaux de tous ceux qui approchent. Ça veut dire méchant, c'est ça ? Je sais pas. Les pauvres âmes qui viendront l'importuner risquent fort de lui servir de casse-croûte. Attendez, ça va être quoi ? Ça va être un bloops ? Je vois pas trop quel autre monstre marin, ça peut être un gros chip-chip aussi, mais bon, je me vois pas trop combattre un gros chip-chip quand même au tennis, parce que t'as pas de main, mais un blues pourquoi pas. Un antique trésor englouti, je suis sûr que c'est la gemme de puissance, Luigi et les autres sont sûrement à sa recherche. Bon, écoutez, on trouvera bien un moyen de s'occuper de ce monstre, mais par pitié, laissez-nous monter sur votre bateau. Vous avez vraiment l'air décidé, bon d'accord, mais je vous préviens, si ça commence à sentir le roussi, je mets les voiles aussitôt. Ok, donc on est parti pour voguer sur la mer. Et si je mets la map... Attendez, je vais mettre la map. D'accord, on est là-bas. Ok. Non, annulé. Voyons voir. Orageuse. Wow, ça c'est une méchante tempête. Il venait de le dire. Oh, bloops. Un bloops. Le monstre marin était un bloops. On n'a pas le choix, Mario. Il faut l'affronter. Mais non, il est trop mignon. Il est trop mignon, pourquoi faut l'affronter ? Fausse alerte. Ah d'accord, ils viennent de vendre le fait que... Ils viennent de vendre la mèche. Ce n'est pas le monstre marin, voilà. Mais c'est pas possible, regardez comme il est mignon. Et d'ailleurs, il sera jouable, Bloop, ça c'est sûr. Mais pour le débloquer, il faudra participer au tournoi qu'il y aura en août. Voilà. Au tournoi en ligne, hein, qu'il y aura en août. Et si vous... Oh, d'accord. Et si vous participez pas au tournoi qu'il y aura en août, vous le débloquerez automatiquement en septembre. Voilà. C'est comme ça. Mais moi j'ai trop hâte de jouer avec lui, surtout que Bloop c'est un perso technique. Oh oh. D'accord. Et c'est trop cool que ce soit un perso technique parce que moi je suis nul. Donc je. Mince, j'avais pas. Ok, très bien. Donc un perso technique c'est. Oh non ! Un perso technique c'est exactement ce qu'il me faut. Exactement. Oh là là. D'ailleurs je galère pour le battre donc. Oh mince ! Oui, je galère pour le battre. Mais non, je le fais exprès. Je l'aime tellement que je fais exprès. Je veux pas qu'il perde, le petit Bloops. Vas-y. Non, comment il fait pour rattraper toutes mes balles, là? Ça ne se fait pas. Allez, allez. Oui. Très bien, d'accord. Il a pas tout rattrapé. Quand même, hein. J'avais peur. Pourquoi je suis plus parfait? À une époque, j'en faisais. Yes. Oh, le pauvre Bloops. En plus, il pleure. Non, c'est l'eau qu'il a parce qu'il vient de sortir de l'eau. Ok, non, c'était pas parfait. Oh mince! Égalité? C'est la première fois que je fais une égalité. Enfin, pas de ma vie, hein, mais c'est la première fois depuis que je joue sur le mode aventure de Mario Tennis Aces. Mince! Il a l'avantage, j'ai utilisé presque toute ma barre, quoi. Le truc de dingue. Ok. Très bien, ouf. Bon, je vais essayer d'avoir l'avantage quand même. Non. Mais il est vicieux, Bloops. Il est vicieux. Et... Je veux... Oh, non, non, non. Ok, très bien. Je veux pas lui laisser le jeu, c'est hors de question. Allez, si ça l'amuse, je devrais faire un amorti. Faute. Non. Oh mon dieu, mais il est trop mignon. Ah, je suis bien content de me combattre contre Bloops. Enfin, je suis pas content parce qu'il me bat, mais je suis quand même content parce que c'est cool. Ok, non. Très bien. Faut vraiment réagir au quart de tour, quoi, c'est ouf. J'ai la super frappe instinct. Va falloir que je l'utilise. Je vais l'utiliser très vite même. Je vais pas l'utiliser. Faute, d'accord, très bien. Deuxième service? Il a le droit à un deuxième service, c'est ouf. Double faute? Mais tu sais pas jouer, Bloops! J'ai jamais vu des ordis faire des doubles fautes. Ça arrive jamais, ça. Oh, mince. J'aurais pas dû me moquer. Il a été pas content, là, le Bloops. Ok, très bien. Et... Vas-y! Oui! J'ai brisé la raquette du petit Bloops. Fallait pas me chercher, hein. De toute façon, c'est pas grave. Parce que je finirai bien par jouer avec lui dès que je l'aurai débloqué. Eh eh. Oh 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 oh. Ça, c'est vraiment pas gentil. Mais what?
Non, 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 non. Faut que je joue un peu avec des amortis, oui. Oh, oh. Non, 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 non. Intercepté, ça c'est bien. Je m'y attendais pas trop, en fait. Ok. Bon. On a deux jeux. Enfin, on a un jeu chacun. C'est en combien de jeux gagnants? Je sais pas. Je ne sais plus. Frappe gagnante, faut que je refasse une frappe instinct. Ah d'ailleurs vous m'avez dit que normalement si je fais... Ok voilà. Il suffit d'appuyer plusieurs fois sur le bouton L. Et normalement, et bah si t'as ta barre de chargée, tu peux le faire pour le service. Enfin attendez, non même. Là c'est pas chargé, mais je peux ou pas? Oui je peux. D'accord. Faute? Comment ça? Pourquoi? Wow! Une autre raquette de cassé! Pauvre Bloops, mais il a quand même une raquette. Il en a plus que deux, mais il en avait quand même au départ, il en avait quatre. C'est beaucoup quand même. Ok, non. Oh, what? Ah bah oui, ma barre était vide. J'avais pas vu. Bon, vas-y et... Oh non, c'est pas imperfect. Oula, qu'est-ce que quoi? C'est quoi cette balle? J'ai marqué? Mais... Elle était trop bizarre cette balle, attendez. Qu'est-ce qu'elle a fait? Ah, elle s'est pris dans l'hélice en fait et ça l'a renvoyé, c'est ça? Ah, d'accord. Vas-y, petit Bloops. Oh, 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 oh. Et... Allez, allez, allez. Faut que je charge ma barre. Mais très... Comment il a fait pour rattraper une barre? C'était pas faute? Comment ça, c'était pas faute? Attendez, attendez. Vas-y, vas-y, montre-nous. Bon, elle était peut-être pas faute, mais c'est ouf. J'ai du mal à comprendre comment j'ai pas fait faute. Hein. faut pas me demander. Oh, oh. 0-30. Ok. Ça va bientôt être balle de 7, non? Enfin... Ok. Faute. Ouais, ça c'est un peu dangereux, hein. Faut faire attention quand même. Le truc, enfin la barre qui permet de rebondir, ça peut être un avantage, mais ça peut aussi être un désavantage. Enfin, ça a plus souvent été un avantage qu'un désavantage quand même. Hein. Mince! Je voulais utiliser ma super frappe instinct, mais comme j'avais déjà utilisé ma course, bah c'était trop tard. Je pouvais plus. Non, non. Oh là là là, non! Je me suis embrouillé dans les boutons! Tu vas pas marquer le jeu, toi. Hein. C'est hors de question. Ok. Vas-y, ça c'est bien. Trop tôt. Égalité, ouf! Bon, j'ai pas encore sauvé les meubles, mais presque. What? Et il a une super frappe instinct. Faut pas que je la lui laisse, hein. Ok, vas-y Mario. Yes! Bon, faut toujours faire attention à ce super frappe instinct, mais dans tous les cas, il a plus de raquettes, hein. Là, c'est sa dernière. Je sais pas combien de jeux ils vont nous demander, mais il y a moyen qu'on arrive le match grâce au fait qu'on lui brise sa raquette. Hein. C'est possible, c'est pas sûr, mais c'est possible. J'ai l'avantage, donc je vais essayer de faire la super frappe instinct. Ok. Je l'ai envoyé sur lui, comme ça il va la louper. Non, pas sur lui. Hé, hey, voilà, jeu et 7. Ouf. Donc, deuxième set. J'espère qu'il va mieux se passer, quand même. Mais, ils savent utiliser les super frappes ou pas? Je suis pas sûr. Parce que là, elle est chargée, sa frappe, mais j'ai pas l'impression qu'ils veuillent l'utiliser. Autant mieux pour moi. Donc c'est pas une super frappe qu'il utilise, mais il a quand même utilisé un truc. Alors, allez. Vas-y. Je veux essayer de lui brider sa raquette. Je sais pas si j'y arriverai un jour. Ok. Faut que je charge. Non, 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 non. Ça c'était pas ouf. Oh non! J'étais tout à côté. Faut pas que je fasse ce genre d'esquive trop tôt. Non, non, non. Ouais, non, 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 non.
Oh là là, loupé! Et maintenant, c'est balle de jeu. Enfin, balle de break, plutôt, vu que c'est moi qui sers. Non! Ouais, non, ça fallait pas que je la laisse, quand même. Hein. Ça aurait été trop... Non! Trop honteux. Ok, alors là... Oh non! Il a gagné le jeu. Bon. Je sais pas si je vais réussir à gagner le match, quand même. J'espère. Mais ils sont durs, hein. Ils sont durs, on n'est même pas encore à la fin. Bon, on s'en rapproche, hein, petit à petit. Qu'est-ce que j'ai fait? Ok, on s'en rapproche petit à petit, mais ça n'est pas encore. Hein. Ok. Oh non! T'es sérieux, Bloops? Allez, il y va, hein. Il y va, le petit Bloops. Faut pas qu'il gagne deux jeux à la suite, hein. Surtout pas, sinon c'est le 7, hein. Ok. J'ai l'impression que plus on avance dans le match, plus ils deviennent forts. Enfin déjà, plus on avance sur la map, plus ils deviennent forts, ça c'est normal. Mais plus on reste dans un match, plus ils deviennent forts. Je sais pas si c'est vrai ça par contre, je me suis toujours demandé. Pour les jeux de tennis et tout ça, s'ils devenaient plus forts au fur et à mesure qu'on marque des points. Je me suis toujours demandé. Ok, allez. Hein? Pourquoi? Parce que j'ai fait L au lieu de faire R. Oh non! C'est ça, c'est obligé. Bon, ok, très bien. Mais attendez, il a le jeu ou pas? Faute, ok, très bien. Faut pas que je refasse une faute. Non, non! Ouf! C'était tendu. Très bien. 30-0. Mais oui, parce qu'il a deux. Jeu, il a peut-être eu le 7, hein, je sais pas du tout. Ouh! En fait, faut pas se compliquer, hein, faut lui renvoyer des balles normales. Je vais essayer de faire une super frappe instinct. Vas-y! Allez, brise ta raquette! Brise ta raquette, petit Bloops. Oui! C'est bon? Oui! C'est une victoire par forfait! Génial! Ouf! Non, parce qu'il était un peu éternel quand même ce match, donc je suis bien content. Je suis bien content qu'on ait fini par gagner par forfait. Ouf! C'était chaud, hein. Et ça va pas y aller en s'arrangeant, hein. Ça va devenir de plus en plus difficile au fur et à mesure qu'on avance. Mais c'est bientôt la fin quand même. Il nous reste plus que deux gemmes. On va quand même aller voir ce que c'est que le suivant. Victoire! On n'en a pas fini avec la tempête, mais ça me soulage de savoir que tu peux nous protéger des créatures calamariteuses. En parlant de calamar, il faut qu'on trouve celui qui garde la gemme de puissance. Ok, d'accord, donc c'était pas le bon, effectivement. Qu'est-ce que ça va être là? Orageuse Détroit. Bah écoutez, on fera ça dans le prochain épisode. Donc les amis, si cette vidéo pas Super Mario, non, de Mario Tennis Aces vous a plu, n'oubliez pas de laisser plein de pouces bleus, de commenter, de vous abonner, et on se retrouve très bientôt pour la suite. Donc d'ici là, portez-vous bien, et à la prochaine les amis, salut.